père est protestant, maman est catholique, donc je suis dans un foyer mixte. Et puis, ben, quand j'étais petit, on est allé vivre en Allemagne, on a vécu en Allemagne, donc là-bas, c'est plutôt protestant, donc on était dans une paroisse protestante, il y avait une paroisse française aussi. Et ensuite, d'un autre côté, j'étais dans un lycée privé catholique, donc j'ai eu les deux éducations en parallèle en fait, et puis du coup je me revendique en fait plus chrétien que protestant ou catholique, et je regarde ce qui rassemble les deux plus que ce qui ne les divise. Donc la foi c'est quelque chose d'important pour moi. Bah, déjà j'ai été scout, donc Baden-Powell, le créateur du scoutisme, avait dit que il était important d'avoir une foi, quelle qu'elle soit. Après, à la question par exemple, est-ce que je crois en Dieu, c'est quelque chose d'assez curieux parce que je me pose pas la question de savoir si Dieu existe ou pas, et c'est pas important pour moi. Ce qui est important en fait, c'est tout le côté réflexion, recueillement, et des choses comme ça pour faire le tri dans mes pensées, qui peut m'aider à aller mieux, à me recueillir et puis à faire des liens avec les gens. J'ai prononcé ma promesse de faire tout mon possible pour. Je promets de faire tout mon possible pour servir Dieu, la patrie, aider quelqu'un chaque jour et vivre la loi de l'éclaireur. Et voilà, c'est une promesse que j'ai faite, j'avais 13 ans et j'essaye de m'y tenir encore aujourd'hui. Je pense qu'en fait le plus important déjà c'est de rendre les gens heureux autour de soi. Baden-Powell toujours, donc dans le scoutisme, disait le vrai bonheur c'est de rendre les gens heureux, c'est de faire le bonheur des autres finalement. Et du coup je pense que c'est un acte chrétien, mais on n'est pas obligé de le mettre sous cette forme-là, parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas du tout la foi, qui diront oui, c'est tout à fait vrai, et puis bah, je vais essayer de faire la même chose. C'est peut-être une excuse de mettre ça sous la chrétienté ou autre, ou sous la foi, mais je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider à le faire, et de sourire. Bah, quand on sourit à quelqu'un, généralement il nous sourit. Sur quatre notes, je développe le thème, et sur toute la gamme, je chante mon bonheur. Sur deux notes, je vais mettre caresse. Sur trois notes.